Et où est donc passée grand-mère? Je l'ai cherchée toute la journée. Je l'avais laissée sur le rocking chair. Il y avait Sevran à la télé. Mais je m'inquiète, son siège est vide. Personne l'a vue dans la maison. A-t-elle été un peu timide pour nous cacher des ambitions? Est-elle partie vers d'autres terres, goûter aux délices des rois, chercher les jades en montgolfière? Mon grand fiston m'a dit, je crois pas. C'est Raoul, mon pitbull, qui l'a trouvée appétissante. C'est Raoul, mon pitbull, il est gentil mais quelle descente. Il aime jouer, il est cool, mais s'il a un petit creux dans le ventre, il te croque dès que tu rentres. C'est Raoul, mon pitbull. Je l'avoue, ça m'a fait drôle d'imaginer un tel carnage. Mais on va pas le mettre en tôle, on s'y fera, y'a l'héritage. De toute façon, elle était vieille, et puis elle me battait au Scrabble. Elle avait une tête de charpeille, et ses cadeaux étaient minables. Mais il faut que j'aille prévenir Gisèle, c'était sa mère à elle tout de même. Je crois qu'elle essuie la vaisselle. Attends papa, y'a un problème. Y'a Raoul, mon pitbull, qui l'a trouvée appétissante. Y'a Raoul, mon pitbull, il est gentil mais quelle descente. Il aime jouer, il est cool, mais s'il a un petit creux dans le ventre, il te croque dès que tu rentres. C'est Raoul, mon pitbull. Ah oui mais là ça devient pénible, si on n'est plus tranquille chez soi. On va l'emmener dans un chenil, et on prendra un chihuahua. Non, le plus grave dans cette affaire, c'est que c'est bientôt l'heure du dîner. Et je sais pas ce qu'on va faire, maintenant que ta mère s'est faite bouffer. Va chercher ta petite sœur Anne-Lise, on va aller dans un drive-in. Attends papa, il faut que je te dise. Oh non c'est bon, je crois que je devine. C'est Raoul, ton pitbull, qui l'a trouvée appétissante. C'est Raoul, ton pitbull, il est gentil hein, mais quelle descente. Il aime jouer, il est cool, mais s'il a un petit creux dans le ventre, il te croque dès que tu rentres. C'est Raoul, ton pitbull. Non, c'est Hubert, ton cocker, qui voulait pas se trouver en reste. C'est Hubert, ton cocker, avec Raoul il se déteste. Il voulait rester fier et avoir sa part du gâteau. C'est normal, il a le sang chaud. C'est Hubert, ton cocker. Tiens, voilà que ça sonne à la porte. Qui c'est peut-être à cette heure-ci? C'est peut-être maman? Non, elle est morte. C'est la voisine, Madame Petit. Elle dit qu'elle a pendant des heures entendu des cris dramatiques qui lui ont déchiré le cœur et qu'elle voudrait appeler les flics. Mais entrez donc dehors, il gèle, il fait meilleur dans le salon. Pendant qu'on vous sert un cocktail, Raoul sera votre compagnon. C'est Raoul, notre pitbull. Il est gentil mais quelle descente. Il aime jouer, il est cool, mais s'il a un petit creux dans le ventre, il te croque dès que tu rentres. C'est Raoul, notre pitbull.